Wayo, c'est Genshin de la Famous Team. Aujourd'hui, je vais vous montrer les évolutions dans Rust expérimental. Bien sûr, c'est pas vraiment la version finie du jeu, mais comme vous pouvez voir, c'est déjà bien modélisé le menu en tout cas. Donc, le modifié avant, c'était un sort de feu de camp avec un humain allongé, je crois, et avec un ours qui allait le bouffer. Mais là, apparemment, ils ont mis juste un petit loup. Donc voilà. On va mettre en français, mais non, ce qu'on peut mettre en français. Certes, on n'a pas encore les options de tout ça, mais bon, ça viendra après. Donc, on va essayer de rejoindre le serveur officiel pour. Nous sommes pas on peut juste aller sur celui-là. Quand même, il y a 147 personnes sur 500. Alors, hop. Je te ferai, tiens. Hop, on va rejoindre ce serveur-là. Donc après ce serveur en fait il comme je disais il est en statut développement. Donc en gros c'est on faut pas s'attendre à grand chose. Apparemment vu les dernières phases de dev qu'ils ont fait. Ok, je suis mort. Waouh. Ok. Ah j'arrive, ça commence à se tirer déjà dessus. C'est pas vraiment, vraiment, vraiment accueillant. Ok. Ok. Toi. Je vais pas quitter. Bon, après, il est pas encore vraiment stable. Je sais pas. Enfin, du moins, il est très joli. Alors ah, hop. Ouais, c'est là l'inventaire. Donc là c'est pas mal, maintenant on peut faire comme ça, tac. On va mettre celle-là. Celle-là. Alors voyons voir. Plan de fondation, feu de camp, caisse en bois. Ok. Ah, lanterne. Set de couchage, j'ai vu ça qu'on pouvait faire ça. On va faire. Et on peut... Ah si, arc de chasse. On peut faire ça. Non, il y a le poids total que tu peux qu'on peut porter, c'est pas mal. On bouffe. Alors, un peu ça. Alors maintenant, apparemment, on peut faire des habitations, par exemple. Je sais pas pour vous, mais c'est peut-être intéressant. Ou c'est déjà des choses qui ont déjà faites. Ok. Ouais, il y a un peu encore de bug. Hein. Ah, il y a Peggy. Ouh. C'est certains postes que ouais, c'est vrai que ça peut rendre, ouais, ça peut rendre bien, ouais. Waouh. Dead, ok. Oh, donc c'est limité le truc. J'ai rien compris là. C'est comme s'il a fait un wallack, je sais pas, j'ai rien compris. Ok, bon, c'est pas grave. Non mais, sérieux? La neige? What? La neige, ok. Cool. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça. Attends, non, j'en ai déjà un dans mes inventaires. Stop. Ah, on peut pas, ok. Casse de bois, hop. Je sais pas, on peut pas faire. C'est tout caché en une fois qu'il y a de la nourriture enfin, sur les animaux, je crois. Mais apparemment, les animaux sont assez rares. Au moins, est-ce qu'il faut trouver les plans? Je vois pas trop. En tout cas, c'est sympathique comme construction. Je sais pas comment on fait pour récupérer un plan, mais. Parce que là, c'est tout ce qu'on peut faire. Bon, on va quand même essayer avec ça, tiens. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire que les sols, quoi? Ok.
J'ai vu qu'il y avait le marteau maintenant. C'est intéressant. Oh. Shit. Les animations sont pas encore mises tous, mais ça peut être intéressant. Je peux pas faire de mur. Hein. Bref. Y a pas un animal à tuer ou un truc à récupérer. C'est assez chelou quand même. Un peu de fluctuation un peu partout, mais. Wow. Ouais, y a un peu de lag sur le cerveau ou de bug. Wow, c'est quoi ça? On va voir vite. S'il peut y avoir différents trucs comme ça, ouais, ça peut être pas mal comme construction en bois, en fer, un peu mélangé. Ça a changé des vieux murs en bois ou en métal. En pierre, ce truc stylé en pierre. Ok. Bon vieux caillou. Ouais. Je peux pas faire. J'ai pas compris pourquoi il y a ça, mais moi j'ai pas. Je peux pas le faire. Wow. Oh. Ah mais c'est. Ah, ok. Je crois qu'il y a un fusil. Je sais pas si c'est les développeurs qui ont mis ça, mais. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh! Un trou? Où c'est? Wow, c'est bug. Je sais pas si je peux faire ça, tiens. Une torche? Je peux pas la créer. Ok. Ah, j'ai peut-être pas les matériaux. Alors, on va faire un feu de camp. C'est possible? Oui. Juste un peu éclair pour qu'est-ce qu'il y a dessous. Parce que je pense que c'est une galerie, je sais pas. Ça met un peu de temps. Hein. Dommage qu'il n'y a pas de son d'ambiance. J'aurais bien voulu entendre ce qu'il pourrait mettre. Ce vieux tir de fusil. Ah, je sais pas pour vous, mais maintenant on a une barre en fait. On peut faire plusieurs trucs à la chaîne. Bon, je sais pas si je vais faire un four, mais j'ai pas de pierre donc je peux pas le faire. Ça, c'est pour prendre fondation, petit camp. Oh, on peut faire une caisse en bois, limite. On peut pas en grand chose. Dommage qu'il n'y a plus les murs, ça aurait été trop stylé sur les murs. Alors, ça là, hot tuck. Ah, je crois que j'ai l'habitude d'appuyer sur Shop. Ok. Ouais, ça là, hop. Ok. Alors, si je me souviens bien. Pour un test, on va mettre ça. Hop. Hop. Ah, par contre, je crois qu'il faut se reculer un peu avant d'allumer. Il faut d'abord que je trouve le feu. Oh shit. Le feu, tu es où? C'est comme chercher, attends, j'ai pas. Ah si, j'ai une torche avec moi, j'ai même pas vu. Ok. Ok. Ah. Ok. Bon, quand je sais pas si vous voyez, normalement, c'est trop chaud. Aïe, aïe. Voilà. De...
non, mais non. On pourra taper avec ça. Déjà. On pourra taper avec une simple torche. Ok. Ça fait du voyant. Voilà. Ça peut être vraiment intéressant à long terme s'ils développent encore plus le jeu. Bon, avec les bugs en moins, ça serait pas mal, mais. Donc voilà. N'empêche, s'il n'y avait pas tous ces jeux de lumière là. Je peux entendre un oui. Bref. Mais sur cette petite. Comment ça s'appelle exactement? Je crois que c'est Noré Boéal ou un truc comme ça, je crois. Je vais vous laisser. Je vous dis à plus tard pour une autre excursion sur le dev du jeu quoi. Enfin sur le serveur quoi. Pour vous montrer s'il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Donc apparemment là c'était l'habillage des fondations, des murs et tout. Donc là ça fait très joli comme ça. Sur ce, à plus tard.